écoute, il y a du maï maï, il y a du waouh, il y a de la vie, hein. Donc bon, les requins ont la dalle, donc il faut pas se laisser faire, faut aller les protéger là, ceux-là. Là. La pêche sous-marine, c'est une chasse qui est hyper sélective. Donc tu es sous l'eau et puis tu mets ta vie en danger en fait pour attraper ta propre nourriture et puis tu tires. Tu vois ce que tu tires, donc il y a vraiment un contrôle, c'est extrêmement sélectif. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Terre et Mer. Aujourd'hui, on vous emmène hors du lagon, au-delà de la barrière de corail, pour vous faire découvrir un sport extrême, le Blue Water. Autrement dit, la chasse sous-marine dans le Grand Bleu. Attention, sensation garantie. Antoine. Hello. Hey Antoine. Tu vas bien? Et toi? La forme? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'imagine que... Ben écoute, je suis en train de préparer la sortie pour demain. Ok. Je suis en train de juste emballer les fusils lagonaires. Je viens de mettre les fusils de Blue Water dans le bateau. Ok. Parce que demain, on a un programme chargé. Ouais. Il faut qu'on aille au DCP. On va essayer de faire du pélagique. Donc on va sur les DCP, les dispositifs de concentration du poisson. C'est ça. C'est là où le grand jeu se passe. Et voilà, c'est là où on va être au milieu de nulle part dans le bleu. Okay. Et puis on va essayer de taper du gros. Et ouais. Pour ça, ben, on a besoin de fusils puissants et de costauds avec des bouées. Ok. Pour pouvoir essayer de les remonter en tout cas. Du coup, Antoine, je peux te donner la main, ouais, charger. Écoute, volontiers. Moi, ouais. Je m'occupe des fusils. Okay. Prends les floatlines si tu veux. Tu les mets directement à l'arrière du bateau. À l'arrière. Et puis, moi, je m'occupe de ranger les fusils sur le côté. Ok, parfait. Tchac. Et combien, Antoine? Ouais, tchac. Important. Sinon, on va avoir froid demain. Sep. Hop. Là, il y a du plomb. Les flèches de secours? Non, laisse, c'est bon, celle-là, on va les laisser. Tu vas les laisser, t'as ce qu'il faut, ça, tu prends? Ça, ouais, au cas où, pour assurer si jamais on fait un gros, là. Ouais, c'est quoi? C'est un pôle spear, en fait. C'est, c'est une espèce de saga. C'est très vieux, mais les Américains, ils nous ont vu ça au goût du jour avec du carbone et de l'inox. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une saga comme on les utilise ici en Calédonie, avec un sando et une poignée pour pouvoir propulser la flèche, voilà. Sauf que bon, là, on a du carbone. Et du coup, tu t'en sers pour quoi de celle-ci? Alors ça, pour pêcher, pour taper du poisson. On est, pour assurer si jamais il y en a un qui est encore un peu trop vivace. Effectivement, pour assurer le poisson. Ou si on fait du lagonnaire demain, on sera content de l'avoir pour faire les poissons au trou. Okay. L'avantage, c'est de pouvoir réarmer tout de suite. Tu vas avec ça, si vrai. Ok. Ouais, ouais. Parfait, top. Et du coup, Antoine, là, on est paré? Là, on est paré. Il n'y a plus qu'à prendre soin de soi. Faire et puis, de bien dormir, bien manger, de manière à être en forme demain. Et puis, et pouvoir profiter un maximum de notre journée qui s'annonce belle. Ok, vieux. Merci. Je te dis à demain, 5h. Rendez-vous 5h. À 5h. À demain. À demain, bye.
Bonjour Antoine. Comment tu vas? Ça va? Bien dormi ou quoi? Ouais, juste. Ah ouais? Tout est prêt? Ouais, ben écoute, ça y est, on a tout chargé, le matériel est prêt. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à braver les éléments ce matin, il y a un peu de vent. Donc on va faire avec et puis en espérant que le poisson soit au rendez-vous. Ouais, dis-moi Antoine, tu peux nous expliquer un peu le parcours de la journée, où est-ce qu'on va aller à peu près? Alors on va là on va prendre la direction de la passe de, du phare de Boulary. On va sortir passe de Boulary, direction DCP, il y en a à peu près pour une heure et quart de trajet. Okay. On va essayer de trouver le DCP. Donc le DCP c'est le dispositif de concentration de poissons. On va chercher aller les 3 ou 4 bouées qui émergent au milieu de nulle part. Avec un battement d'un kilomètre en fait, hein, donc pas toujours évident à trouver, surtout si le temps est comme aujourd'hui avec de la houle et du vent. Ouais. Donc on va, voilà, on va essayer de gérer ça et on va essayer de le trouver. Et on va surtout se faire aider par les oiseaux s'il y a des oiseaux. S'il y a de la chasse aussi. Voilà, c'est ça. Alors pour ce faire, on a emmené Justement, tu peux parler un peu de la team, de l'équipe là qui est présente. Ben voilà, donc on a Stéphane qui sera avec nous dans l'eau pour nous accompagner et pour faire des images. Salut Stéphane. Salut. On a également derrière nous, en partant de droite à gauche, on a Philippe Faccini. Alors bon, lui bien connu. Un champion aussi, un champion qu'on ne présente plus du coin. Bien connu dans le domaine de la chasse sous-marine, parce que bon, il a gagné pas mal de compétitions et surtout bon, il a un très bon niveau en chasse sous-marine. Okay. On a aussi Valentine, Thomas. Enchanté. Qui elle fait le tour du monde et tape des gros poissons, hein, c'est sa spécialité. On aura l'occasion. Et puis Thibaut qui va s'occuper du bateau et puis qui va alterner dans l'eau et qui va faire le canotier, très important pour la sécurité. Bonjour les gars et Valentine, et merci en tout cas de m'accueillir à bord et on va passer une bonne journée. Ah c'est sûr. Ok, c'est parti alors. Feu, merci Antoine. Arrivé là, mais vous avez trouvé le DCP, comment ça se passe? C'est ça, alors ça fait quand même un petit quart d'heure qu'on tourne. Ouais. Avec la houle et le vent, si tu veux, le point est un petit peu difficile à trouver. Donc on est sur des bouées qui bougent beaucoup, avec le courant, avec le vent. Et tu verras, il y a 5 bouées émergées, donc c'est pas facile à trouver. Okay. En général, les oiseaux, et c'est bon signe, nous montrent le chemin, mais là aujourd'hui, bon, il n'y a pas trop d'oiseaux, en espérant qu'il y ait le poisson sous l'eau. Le concept, il est simple, tu as des filins sous l'eau qui permettent aux algues de s'accrocher. Les algues sont mangées par les petits poissons. C'est que les petits poissons peuvent se protéger à travers le filin des grands prédateurs. Et donc ça recrée, si tu veux, une chaîne alimentaire. La réglementation, on est obligé de rester à 50 mètres de la zone de pêche, du DCP, pour éviter justement de les... Le voilà. De passer dessus, ouais, il est juste là, d'accord. Pour éviter de passer dessus. Ouais. Bon, et si on respecte tous la règle des 50 mètres, qu'on soit plongeur ou traîneur, ça ne change rien. Voilà. Okay. Il n'y a pas de raison qu'on... Donc là, Antoine, ça va se passer comment? Et bien là, tout simplement, écoute, on va se mettre face au vent. Ok. Donc on va être obligé de... On va se préparer. Ouais. On va se mettre face au vent. On va se poser 5 minutes. Ok. Et ça va nous permettre au final de préparer le matériel. Tu vas voir, il y a quand même une intendance au niveau des floatlines, des bouées et des fusils. Ça va nous prendre un bon petit quart d'heure quand même pour la préparation. Quand on monte sur le DCP incessamment sous peu, on va dépasser le DCP. On va suivre le sens du courant en fonction des bouées, parce qu'on va se laisser dériver dans la zone du DCP. Et on va faire des tours de manège comme ça, on va revenir. En fait, les maïmaï tournent autour du DCP et on va venir essayer de croiser leur route en descendant. Voilà. Attention, il est chargé. Hein. Thank you.
Pareil, pareil. Prends la flèche. Je l'ai. Il est beau, hein? Il est petit, mais il est mignon. Ouais. T'as un couteau, là? Ouais. Joli, mon grand. Bateau. Hop. J'étais dans ton dos, j'ai tout fait. Parfait. Il y a encore du poisson. Voilà le premier, mon ami. Du poisson? Ouais. Ouais, papa, il en a laissé un, quand même, hein? Alors? Ouais, il a... ça, ma poule. Il a fallu se battre un peu, hein? Il y a du shark en bas, là. Écoute, il y a du maï maï, il y a du waouh, il y a de la vie, hein. Donc les requins ont la dalle, donc il faut pas se laisser faire, faut aller les protéger là, ceux-là. Là. J'en ai perdu un juste avant, okay. Donc de waouh. Donc celui-là, il est dans la glacière, c'est déjà ça. Bien joué. Il a déjà de quoi bouffer ce soir. Antoine, tu peux m'expliquer un peu le déroulé de ce qui vient de se passer? Oui, alors on est arrivé sur zone, c'était poissonneux, hein. On avait les bancs de Maï Maï qui tournaient autour du DCP, il y avait des waouh. Donc on est sur une pêche d'opportunité, tu as vu? On a commencé à tirer du waouh, on en a fait 3 au fusil, donc on en a déchiré 2, d'où l'intérêt d'un matériel costaud, puissant et vérifié, parce que c'est toujours intéressant de refaire les montages lorsqu'on les utilise plusieurs fois pour éviter la casse. Donc, on a mis la peau à la pagaille dans les waouh, déchiré, les requins sont montés, les Maï Maï ont vu et ont été un peu apeurés. On a fait 3 passages derrière, ouais. On a entrevu les Maï Maï et ils sont restés farouches. Et justement, en termes de méthode, comment est-ce que vous faites? On a vu qu'on remonte au courant pour redescendre sur le DCP, comment ça se oui. passe? C'est aléatoire, il y a plusieurs... Aujourd'hui, on a la chance qu'il n'y ait pas trop de courant, mais des fois, on a plus de 3 nœuds ou 4 nœuds de courant. Hein. On est à l'extérieur, on est généré par les courants océaniques, donc on ne peut pas lutter contre le courant. Donc le principe, c'est de se faire déposer en amont du DCP, se laisser descendre par le courant, passer toujours dans la zone des 50 mètres, on est d'accord, et puis taper ce qu'on peut taper quand ça se présente. J'imagine qu'il y a quand même, à force d'expérience, il y a un peu de technique acquise pour approcher le poisson. Comment ça se passe? Parce que les Maï Maï et les waouh, ils ont un comportement différent. Bien sûr. Alors le waouh peut être suivi plus facilement que le Maï Maï. Le Maï Maï, lui, si on s'approche trop vite, il va avoir tendance à partir. C'est un poisson qui est farouche. Et donc, il faut se comporter un petit peu comme un bout de bois, c'est-à-dire bouger le moins possible. Et donc, du coup, on a des chances de le voir venir. Pourquoi? Parce qu'il va nous prendre pour un DCP. Et il va penser qu'on attire d'autres poissons, etc. Donc il faut vraiment nager doucement, rester le plus statique possible. Le waouh, lui, c'est différent. On peut couler dessus, on peut le laisser partir. Sans... Il faut le sentir. C'est... Par contre, toujours rester zen. C'est la règle d'or. Zen. Quand on arrive sur zone, oui. Pourquoi ici? Pourquoi ici? Parce ouais. que, ben, en fait, si tu veux, on a une pointe dans le récif et toi, un homme chien aime bien les zones avec des zones cassées, avec des tombants qui tombent vraiment à pic et frangeant. Donc, c'est l'idéal ici. Voilà, donc ouais. on est loin, on est au bout du bout. On est toujours dans l'esprit Blue Water. Dans, exactement. Dans l'eau, dans l'eau, ouais. On reste à l'extérieur, on a le lagon de ce côté-là, on a le grand large de ce côté-là. Et on va essayer de se faire du pélagique, soit waouh, soit thon, dans cette zone. Ok. Voilà. Requin? Oui, bien sûr. C'est vos amis? Bien sûr. Tout va bien.
courant là. Continue à dériver un petit peu. Ouais, je commence à ranger le matos tout doucement, hein, ok. On va faire un char, ma poule. Alors, les impressions? Bah écoute Antoine, jusqu'ici bon, on a attaqué tôt ce matin, mais vraiment ce qui avait été sensationnel, hein, c'était tout à l'heure là dans le Grand Bleu, quoi, hein, pour le coup, avec les bandes Maïmaï, ça c'était magnifique, j'avais encore jamais vécu ça. Après on sent que c'est assez physique, c'est un type de pêche complètement différent, mais ouais, c'est spécial. Et en termes de sécurité, justement, je me demande mais comment ça se passe, ou s'il y a un pépin, comment vous réagissez? Enfin, à chaque fois c'est hyper sécurisé, à chaque fois il y a quelqu'un de... Ben en fait, plus il y a de perdus sous l'eau, plus on a de chance d'éviter l'accident, hein, on est d'accord. Après, bon, ben voilà, c'est surtout, on fait attention au comportement des requins. C'est eux qui donnent le là sous l'eau. Le bleu, en général, on descend jamais vraiment profond, on n'a pas envie, c'est dangereux déjà comme ça. Donc on reste en subsurface. Par contre, le plus important, c'est de gérer le comportement des requins. Très important. Généralement, ce que vous faites là, ça fait partie du quotidien, c'est des circuits habituels pour vous. Comment ça se passe, les formules? En fait, c'est un des circuits que je fais le plus. Pourquoi? Parce que ça permet de varier les styles de pêche. Donc ça nous permet de passer sur la route, en fait, hein, parce qu'on est, on est limite plus près de l'île des Pins ici que de Nouméa. Donc je passe toujours par les DCP. Et ensuite, en général, on se fait des bords de passe ou on se fait des pointes pour les noix dans le chien ou même les waouh. Hein, on croise souvent des waouh. Après, c'est la pêche, il y a ou il n'y a pas. Mais le but, c'est de trouver le poisson. Prends deux flingues. Je voulais pas torse nu. Hein. Et le caméraman, il va venir aussi avec nous. Tu vois, derrière. Allez, parce que vous avez participé. Allez, venez. Philippe, vas-y, approche-toi plus. Ouais, nickel. Valentine, pareil. La copie. J'arrive. De la 3. Tac, attention. Valentine, le gars. Spearfishing. Pouah, la bonne. Voilà. Attends, je vais faire ses cheveux. Mais c'est un bras de vos. Mais pas de problème, c'est un champion. Pourquoi ça a démarré quand le Blue Water? Le Blue Water, ouais. Ça a démarré quand je commençais à faire de la photo. J'avais envie de partager en fait ma passion. Je faisais pas mal de funboard, de chasse sous-marine, de surf comme tous les Calédoniens. Oui, parce que tu fais ça depuis tout petit. Ouais. Voilà. Donc on parle de passion. C'est clair. Voilà. Et puis le Blue Water, ça me semblait une discipline neuve, ouais, et différente. Et puis tu sais, il y a moins de pression malgré tout, ouais, sur le lagon. Et puis c'est une discipline vraiment à part. À part où... Philippe, je te remets le taser. Ouais, je veux bien. Tu veux donner les perroquets? Ouais. Voilà. Et du coup... Et donc, si tu veux... Parce que le Blue Water, c'est un phénomène qui existe peut-être depuis longtemps, mais pas si longtemps en Calédonie. Enfin, non. Quand on voit tout l'équipement que ça nécessite... Et ça existe depuis 10 ans. Ouais. Ça existe depuis 10 ans maximum. C'est surtout une marque. Ouais. Une marque de chasse sous-marine qui a lancé la discipline. Ça existe depuis longtemps dans le monde. En Calédonie, en fait, on a un gros potentiel de pélagique. Okay. Beaucoup de pélagiques qui viennent, on a des DCP qui sont poissonneux, on a des temps dans le chien, on a un lagon
Et le blue water, en fait, c'est quelque chose de nouveau. On est dans une logique de gros poissons. Et comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est pas facile de taper du... Il y a les requins, il y a le courant, il y a le côté physique, sportif. La maîtrise du fusil aussi. Quand voilà, du matériel. Et derrière, pour ressortir un gros poisson, il faut passer des heures, il faut passer des semaines, il faut passer des mois dans l'eau pour arriver à sortir une belle pièce. Donc si tu veux, c'est un peu le Graal de la chasse sous-marine. Okay. Alors, c'est peut-être moins physique que la pêche lagonnaire avec le côté apnée, etc. Mais c'est un côté recherche et technique, beaucoup plus centré sur le matériel et sur la recherche du gros. Quel poisson le plus prestigieux ? Alors, ça fait rêver tous les chasseurs. Je dirais que c'est le thon d'Antien. Alors, ça dépend des cultures. Les anglo-saxons partiront plus peut-être sur un thon d'Antien avec des records. Des records de poids. De poids, de taille, de poids, surtout de poids. Ouais. Et puis l'espadon. Ouais. L'espadon. Ouais, c'est celui que j'imaginais. Voilà, soit l'espadon voilier, soit le marlin. Le marlin. Donc, ce sont des beaux trophées, mais je dirais plutôt le thon d'Antien. Ça va Valentine ? Tu t'en sors ? Oui, vite, ouais. Ouais, pas trop mal, mon coupé coupe pas beaucoup, mais... Ouais. Et dis-moi Valentine, toi tu es une pêcheuse professionnelle, connue internationalement aujourd'hui, du Canada. C'est la première fois que tu pêches dans nos eaux ? Oui, c'est ma première fois en Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Okay. Malheureusement, je suis dans la période venteuse, mais j'ai quand même pu me glisser quelques sorties. Ok. Et jusqu'ici, une belle surprise, de belles plongées. J'ai été super impressionnée par rapport à la quantité de poissons en fait, que j'ai vu sous l'eau. Et puis, il y a énormément de requins aussi. Apparemment, c'est un phénomène qui est beaucoup plus... Okay. Qui est beaucoup plus gros depuis les 2 dernières années, mais c'était quand même c'était beau, c'était impressionnant à voir. Cette discipline sportive au-delà du poisson, elle est bien vue, parce qu'on peut penser aussi que c'est quelque chose de mal perçu. La pêche sous-marine, c'est une chasse qui est hyper sélective. Donc tu es sous l'eau et puis tu mets ta vie en danger en fait pour attraper ta propre nourriture et puis tu tires. Tu vois ce que tu tires, donc il y a vraiment un contrôle, c'est extrêmement sélectif. Ouais, du coup, on ne fait pas tant de carnage que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, exactement. On tire que des poissons qui sont bons à manger, qui sont pas en... On tire que des poissons qui sont bons à manger, qui sont pas en voie de disparition, tandis que quand tu pêches à la canne à pêche ou au filet, tu peux pas savoir ce que tu veux. Ouais, tu sélectionnes vraiment. Ouais, tu peux pas savoir ce qui va sortir sur ton bateau en fait. Alors, cette journée. Écoute Antoine, c'était magnifique. Je tiens à te remercier de nous avoir invités à bord. Et puis surtout, c'était sensationnel quoi, de plonger dans le bleu comme ça, cette immensité. On a l'impression de perdre un peu nos repères, mais bon, c'est grandiose quoi. Et on a vu de très beaux poissons, on a vu de très beaux requins, et on s'est senti aussi en sécurité, donc c'était bien. Je te remercie. De rien, et puis merci quand tu veux, on se refait ça. Ok, avec plaisir, entendu. Et je vous rappelle quand même que le Blue Water est réservé à des plongeurs aguerris et nécessite quand même des mesures de sécurité adaptées si l'envie vous prend. Quant à nous, eh bien on se retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. A bientôt. Ouais. Merci de votre fidélité. Yes.